Salut la compagnie! Yo! Allez, je vais vous éclabousser avec cette ouverture tortank! Allez, et avec un... Remint. Un remint. Je voulais vous le faire voir. C'est des choses, si ça vous plaît, de toute façon, j'en ai commandé là pour le mois de juin, donc il y aura le temps. Hein. Mais un remint encore plus sympa, que vous verrez. Vraiment, moi j'ai craqué dessus. J'aurai toute la collection en plus. Mais si ça vous plaît, vous nous direz en commentaire. En tout cas, on souffle tout ça après l'intro. Allez, on passe en mode accéléré quand même. Alors nous voilà, mon frère me faisait voir le décalage qui est effectivement. Par contre, heureusement, ça reste toujours. Hop, je la remets un plus gros pour que vous voyez mieux. Voilà, plus joli. Voilà, à fond. Oh, elle est magnifique. À fond. Ouais, c'est clair, elle en jette. Hein. J'aime bien. Elle en jette. La super Rainbow Cart que nous mettons également dans notre petit classeur 25 ans. Hop là, avec sa copine Florizard. Et je la préfère quand même Florizard, mais attends, tant pis. Ouais, bah, beaucoup de monde d'ailleurs. J'ai vu que le coffret partait plus en Florizard que... Non, en tant qu'en Florizard. En tant qu'en Florizard, oui, pardon. Je fais la traduction, hein, vous inquiétez pas. Donc, avec, hop, pour pas l'oublier là, une petite remint. Les cives quand même qu'on voulait faire voir de plus près. C'est sympa, je les préfère aussi. Elles sont très sympas. J'ai un truc que je voulais voir quand même, s'ils avaient fait la même bêtise que pour Evoli. Avec le fait mousse. Je crois que oui, ouais. Ils ont fait la même bêtise, ouais. On retrouve l'effet. Où on voit moins bien la carte dedans. Vous pouvez voir avec une carte. Ouais. Ça fait mat, mais bon, voilà, regardez. C'est contre les UV. Ouais, c'est ça. On le voit quand je fais, ça fait trop. Ouais. C'est bon, après au toucher, elles sont plus sympas pour tout, mais bon. Ouais, mais bon, c'est un peu con. Excusez-moi du vocabulaire, mais. J'avais pensé à un truc à dire, mais je vais pas le dire. Mais dis-le pas. Dis-le pas. Allez, nos 4 boosters. J'aime bien l'illustration, la Giratina. Je me demande si je l'ai, cette illustration. Je sais pas, t'en as pas ouvert tant que ça. Non, Ultra Prisme, j'en ai, mais je suis pas forcément gardé. Celui-là, Necrozma, je l'avais déjà. Mais celui-ci, Giratina, je suis pas sûr de l'avoir. Non, bah, pour vous dire, c'est qu'on fait les deux ouvertures de côte à côte. Hein. C'est pour oui, ceux oui. qui ont vu la précédente. À plat, j'essaie de pas trop l'abîmer pour le coup. Je sais pas, je peux pas te dire si tu l'as. Ouais, parce qu'en général, j'aime bien garder une illustration de booster vide de chaque. J'ai du noir et blanc. Alors, énergie plante. Fossile lune inconnue, j'allais dire unique, mais non, c'est pas ça. Lune oculier. Oh bah, moi je le suis, le principal. Heureusement. Heureusement. Mais je ne dis pas le contraire, heureusement. Luxio. Imaginez-vous déjà une Marlizard. Il y a 100 000 marques. Ah, elle est rigolote cette moufouette. Hein. J'aime pas moufouette, mais je trouve rigolo. Ah ouais, je change pas de conversation. Ouais. Bah, quoi, je peux faire ma moufouette. Hein. Pas trop, non. Electek, il est stylé, l'Electek aussi. La Lapourec, qu'on a vu la dernière fois, que je trouve très beau. Excellent. Oh, rigolo aussi, pour une fois. Et derrière, on a quoi? Oh! Tocopillon. Elle est jolie. J'aurais cru que c'était une holo. Ouais. Tocopillon, je l'aime bien. Pourtant, je suis pas fan de ces légendaires, non, mais. Toco machin, Tokoshi. Le booster Eternatus, que j'adore. Franchement, là-dessus, ils ont fait une belle illustration. Oh, déchiré. Alors, voilà, ça fasse comme ça pour ne pas vous faire avec colle, sinon je vous spoil d'un côté, je vous spoil de l'autre. Et puis après, mes neveux, ils vont nous engueuler parce qu'on n'a ouais. pas le jeu. Bon, j'enlève le remine parce que je crois que ça. Je le mets juste à côté. Ouais, t'inquiète pas, je vais le garder. Non, celui-là, je le garde. Vous allez voir ce que c'est tout à l'heure. Donc, feuilletant. Je bouge aussi ça fait un truc. Volute de fumée. Fortifiant turbo.
Donc, potasse que vous avez tout à l'heure. Fenette. Pyrenil. Spododo. Donc, Cisap, je trouve très joli. Et flèche en reverse. Je sais pas si je l'ai cette reverse. Et. Oula. Oui. Rien du tout. Avec un flambusard que j'aime beaucoup aussi. En rare. Donc, rien d'exceptionnel. Bon. Vu qu'on n'est pas chanceux sur celui-là. Donc... Allez, lequel. De toute façon, on ouvrira les deux. Moi, je préfère pingoler en tout cas. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour la prochaine illustration, c'est pas souvent, mais on va avoir droit à 5 illustrations différentes. Ah. Et il va y en avoir 5 carrément, ce qui est assez rare au final. J'ai pas souvenir qu'il y en a d'autres. Si, il y en a d'autres, je crois, mais j'ai pas en tête. Mais c'est rare quand même. Hein. En général, c'est 4 quoi. Hein. Alors, Coloma, Tour de l'eau. Je suis en train de mélanger les cartes des séries. Ça va m'énerver. Concentration, Excellangue. Donc, c'est Rati. Rémored, allez, changeons le sort, Mistibule, Wagonine, et rien du tout comme d'habitude, avec Flagados que j'ai eu plusieurs fois déjà. Allez, ils nous aiment bien Flagados. On change pas une équipe qui ne gagne pas. Ah ouais. Style de combat, le combat est pas en nous. Hein. Ouais, c'est hallucinant. C'est maudit. C'est hallucinant, je jure. Heureusement, la vidéo d'avant était quand même pas mal. On avait déjà eu un beau drop au final quand même, mais pas sur, comme d'habitude, sur style de combat. C'est style de combat. Ouais. Urne de la vitalité, à force, je sais plus, moi, je mélange toutes les séries. Grillpat, Lixie, Cacnea, Scalpion, Charpentier, Dimoclès, et rien du tout encore. Pour changer. J'ai dit un gros mot, désolé, j'espère ouais, que mais ça change entendu. Pas de l'habitude, c'est ce que je pense de bon, la série française. C'est le coffret sans rien. Heureusement qu'on a la VMAX. Voilà, heureusement qu'il y a la VMAX. Et puis t'as petit Remint à ouvrir. Voilà, on continue sur notre Remint. Alors je passe en mode plus élargi pour que vous voyez mieux dans l'ensemble. Donc là, c'est assez particulier, vous allez voir. Donc hop, voilà, c'est juste du bon côté, ce serait mieux. Ce qui est marrant, c'est que la boîte a l'air identique pour toutes les... Il y a 6 illustrations que je vous fais voir d'ailleurs sur le côté. Donc, Pikachu et Voltoutou, vous verrez une prochaine fois. L'armée Léon, Pyrobut. Evoli et Moumouton. Westempo et Ponita de Gala. Ah bah oui, on sait que t'es fan. Voilà, et en l'occurrence. Ah oui, on retrouve dedans un petit chewing-gum. On a dit qu'on connaissait pas avec Holo, donc on a laissé partager, même si c'est un tout petit chewing-gum. Ouais, voir si c'est dégueulasse ou si c'est bon. On va vous dire. La petite plaquette qui reprend donc toutes les illustrations. Et donc, la petite... Vas-y, ouvre-le maintenant. Alors, la petite boule. Pour être heureux. Donc le petit Ponita, je vais mettre ça autrement. Ah voilà, là, c'est mieux. Excusez-nous, on est en train de goûter le bonbon en même temps. Il n'est pas super. Hein. Non. Ah, il est magnifique. Hein. Avec donc... Je trouve comment. Effectivement, il y a l'emplacement pour les papates. Bon. En tout cas, on le met comme ça. Hop là. On essaye de le faire tenir. On essaye de le faire tenir, c'est pas facile, hein. Franchement. Je galère à fond. Je sais pas si c'est le mieux, c'est pas de le coller. Et effectivement, après, vous fermez le tout. Oh, voilà, alors là, mon truc, il donne vachement fort. Oh, mais le tout, c'est de le coller, je pense. Le coller, ouais, je pense que le mieux, ça reste de le coller. Parce que c'est pas... Alors, c'est pas fait... C'est pas fait... Puis, je pensais qu'au moins on pouvait le. Les trucs sont expliqués en japonais, donc vas-y. Va comprendre, Charles. On va faire une petite pause pour le coller et puis vous faire voir après. Donc voilà, on a réussi à coller. Alors ça doit peut-être pas encore coller trop bien. Ça donne bien. Ça donne bien, hein, je trouve. Et après, on va la mettre dedans pour voir. Hop, je suis pas prudent parce que. Voilà. C'est
très sympa comme couleur. Je trouve que le décor est méthodisant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres ouvertures. Ciao la compagnie.